Burger Quiz, je suis un grand fan de la première heure, qui ne l'est pas. Vous y êtes allé déjà au Burger Quiz? Non, jamais, jamais. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on ne m'a pas invité. Vraiment? Non, pas encore. Faire croire ça, pourquoi vous n'avez pas invité? Bah, je ne sais pas, c'est pas moi qui, je ne suis pas programmateur d'émission. Non, non, mais voilà, moi, si on m'invite, avec grand plaisir. Mais non, je suis un grand fan déjà de Shabba et toute l'équipe. Et puis ensuite, je pense toujours aux auteurs, moi, qui sont derrière, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un jeu où il y a un gros, gros travail d'auteur. Et je sais que moi, par exemple, j'ai deux auteurs qui travaillent avec moi et qui ont toujours rêvé de pouvoir travailler sur une émission comme ça. Donc c'est un vrai job quand on fait ce métier-là, d'écrire des blagues. Voilà, on peut vraiment se lâcher, quoi. Mais grand fan du Burger Quiz, vous pourriez aussi leur faire savoir que vous avez envie de la faire, l'émission, oui, tout simplement. Oui, mais oui, je pense qu'ils le savent. C'est pas la première fois qu'on entend ça dans cette émission, des gens qui auraient, ça avait été le cas d'Elise et Moon notamment, qui aimeraient faire le Burger Quiz, qui me disent c'est compliqué, c'est comme si c'était un club assez fermé finalement. Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les affinités, et je pense que il y a des bandes, il y a la bande Ruquier, la bande d'Arthur, la bande d'Alain Chabat, et puis voilà, j'ai fait partie de la bande de Patrick Sébastien pendant longtemps. Après, est-ce que c'est mieux d'être dans une bande et de pas en sortir plutôt que d'être partout? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi je vais là où on m'invite, si ça me fait plaisir et si on s'amuse avec grand plaisir. Faut qu'on s'amuse, c'est compliqué, vous le savez, de travailler avec Jean-Marc quand on est en face, en fait. C'est ce que souvent on me dit, quand on est animateur ou quand on est journaliste, d'un seul coup de se retrouver avec Jean-Marc, on sait pas trop comment lui parler, etc. Enfin, c'est toujours un peu déroutant. Moi, je m'en rends pas compte, mais je commence à comprendre un peu le système en face. Ouais. Faudrait qu'il trouve sa place dans ce dispositif aussi de Burger Quiz, par exemple. Tout à fait, ouais.